Salut les gars! Comment ça va? Faut que je teste un truc, normalement y a un nouveau badge. Ah mince, il se voit pas bien. Ah purée. Je vais peut-être en faire un autre. Il se voit vraiment vraiment pas bien quoi. Eh merci pour ton follow! Enfin pour ton follow, n'importe quoi, pour ton abo même. Je dis n'importe quoi. T'as pris avec Prime? Hein, t'as pas pris avec Prime? Ouais, t'as 8 mois. Mais je suis déçu, le badge des 9 mois, il est pas très. Il est pas très lisible. Bon, je vais voir comment je peux faire. Puis mon problème, c'est que le badge des 9 mois et le badge des 12 mois, ils sont assez proches en couleur. Donc, Ah, moi, pour moi, tu payes. Oh. Allez, ton Prime, tu l'utilises pour une autre chaîne? T'es gentil. Tu soutiens deux personnes, c'est beau. Ça va le son? T'étais pas dans un parc aujourd'hui, toi? Ou hier? Bon, apparemment, elle, catégorie, c'est bien. Ah, tu mettrais pas de 9, toi? Pas de 9 mois, mais un 12 mois? Je vais voir si je peux le faire. Hier au Paparc, d'accord. Mais c'était une nouvelle attraction? Le sonnerie ou je sais plus comment tu me dis. Bon, ça fait du bien aussi de rien faire. Hein. Je sais pas si chez toi il faisait mauvais, mais chez nous, Snorri. Voilà. Attends, je suis tes aventures, hein, t'inquiète. Hein. J'aime bien ça. Hein. J'aime bien te suivre. Bon, si la catégorie ça a l'air d'aller, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Elle est censée ouvrir le 23 novembre. Ah, donc t'as pu la tester avant. Ça, c'est bon ça. Quand est-ce que tu nous refais du crayonnage? Tellement fort à toi. C'est vrai que tu nous dessines Europa Park, même si on reconnaîtrait pas de suite, mais ça peut être chouette. Bah c'est bon, ma catégorie elle est bonne. Je vais pouvoir lancer le jeu. D'ailleurs, je me disais que la dernière fois, le temps que les gens arrivent pour pas commencer... T'as commencé un dessin à mettre Disney? D'accord. Le temps que à écran bleu, hein, comme d'habitude. C'est le temps que les gens arrivent, je peux faire des mini-quêtes. Des mini-quêtes. Oh, qu'est-ce que c'est choupi ce jeu. Qu'est-ce que j'ai en quête? Journal. J'ai plein de quêtes. Afficher toutes. Non, je voudrais afficher les en cours. Hein. Le carnet devrait être au nord-ouest de Carabas, sur une île au milieu d'un ruisseau où poussent deux arbres. Chercher le carnet. Non, on peut aller chercher le carnet. Un sylve vivant dans la partie des vallons ondoyants semble avoir quelques problèmes. J'ai déjà deux cartes de mérite. Après, je suis pas sûre d'avoir bien rempli la deuxième encore. Est-ce que ma co est bonne? Oh là là. Je la vois à 567 au lieu de 800. Donc on va essayer d'aller là. Alors, on doit aller carnet nord-ouest de Carabas sur une île au milieu d'un ruisseau. Nord-ouest de Carabas, c'est parti. Ça permet de s'entraîner avant de commencer les choses sérieuses. Pourquoi ça clignote ici, lui, il me parle? Ah, c'est pour lui le nord, ouais, d'accord, c'est pour lui. Le carnet au nord-ouest. Sinon, est-ce que je... Oh, le niveau commence à pas être dégueu. Qu'est-ce que... J'ai plein de nourriture pour eux. Bonus d'attaque. Bah ouais, c'est bien ça. Mais c'est même très bien. Il est trop content. Attends, moi aussi, quand on me donne du chocolat, je suis contente pour comme ça. J'adore son petit cri. Yeah! De la défense, c'est pas mal. Je crois que de la défense, je vais en donner à son copain aussi. Ah, il crie moins hein, quand. Tiens, bonus d'attaque et bonus de défense. De l'attaque magique, il en a un peu lui. Hein. Pourquoi il fait pas yeah?
Ah, ils aiment peut-être certaines choses et pas d'autres. Je me demande. Non, il en a rien à faire celui-là. RAB quoi, total. C'est ouf. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Eh, la bonne nouvelle, je vais pouvoir faire un stream sauvage. Bon, je répéterai la bonne nouvelle, je pense. Je vais pouvoir faire un stream sauvage. Mardi soir. Pour un nouveau jeu à tester. On a dit nord-ouest. Je vais regarder la cam dans ce sens-là, comme ça je sais. Oh oh. Et voilà mon petit Oli. Maintenant l'aventure va vraiment commencer. Tu t'es même dégoté une baguette digne de ce nom et tout. Je parie que tu es impatient, hein. Oh que oui. Ah bon. Est-ce que j'ai au moins bien équipé mon truc, moi? Non, c'est bon, c'est celle-là. Vieux... Sinon, c'est vieux bâton. On va pas repartir au vieux bâton. Ouais, ouais, c'est franchement chouette. Sous, c'est un jeu qui sort le 8 novembre sur PS4, mais c'est un portage PC. Donc on a dit nord-ouest, une île entre deux ruisseaux. C'est un coup à se perdre, ça. Non, je peux peut-être étudier la map plutôt que de me jeter directement. Je ne sais plus jouer, c'est parti. Je ne sais plus les touches. C'est fou ça, en peu de temps, comment on peut oublier. C'est que ça date que de. Bon, tout le monde est dead. Ça date que d'il y a une semaine, hein. On joue toutes les semaines à ça. Ça, ça fait du bien. On a vaincu un boss et tout. Au nord-ouest? Parce que j'ai de l'eau au nord-ouest là, mais. Ah, il y a des points bleus sur la map. Il y a des petites Z. Là, j'ai un point bleu là, près de. Bon, je vais aller au nord là, voir. Mais nord, c'est pas nord-ouest quoi. Ah, on va récupérer les trucs qui brillent. Attends, j'ai déjà oublié le terme exact du. De ce qui est marqué dans le journal. Ah, puis j'ai aussi ça ici. Nord du bois bolé. Une bête ailée. Ici, c'est. Nord-ouest de Carabasse sur une île au milieu d'un ruisseau où poussent deux arbres. Bah voilà, clairement, le seul ruisseau que je. Ah, attends, je confonds mon ouest et mon est. Non, non, ouest, c'est là. Un ruisseau avec deux arbres. Ah, voilà, je vois une île avec un ruisseau avec deux arbres. Ok, c'est bon, je me suis trompé de côté. Désolé, on recommence. Je peux passer ou pas là? Non, je peux pas passer. Ah, attends. Il m'a fait un truc. Il m'a fait un visage. Là. Ah non, c'est pour parler. C'est pour parler au petit machin. Donc je me souviens. Lumi. C'est pour parler à Lumi, ça. Non, non, je confondais juste mon est et mon ouest. C'est bien ça. Et ça fait pro. Comme ça, en retour, on passera par l'autre côté. Non, on va aller faire la vraie attaque parce que je vais finir par gâcher mes MP, c'est bon. Oh là là là. On risque plus trop grand chose avec eux. Dommage qu'ils sous-traitent pas les. Ce qu'ils disent en fin de combat. Mais bon. C'est un détail. Alors, si je marche. Non, il m'a vu. La dernière fois, on avait réussi à finir le jeu. Sans trop galérer, je crois qu'on avait. Alors je sais plus, non, on avait parfait deux fois le boss, mais je savais plus trop comment on faisait. Voilà, c'est ça. Merci, Bench. En fait, c'est en cours de route, je me suis dit, non, mais attends, c'est complètement con hein, ce que j'ai en train de dire. C'est pas du tout ça. En tout cas, on est plus perdu, c'est bon. Le petit rat de l'opéra, il a pas envie de se battre. Ah, les chiots, pardon, les lions chiots, ils sont excités. On va demander au nouveau de se battre un peu. Est-ce que je. Non, ok, 15 tympans, je le prends. 5, c'est bon. Franchement, c'est bon. Tiens, prends ça. Pourquoi 0 MP, c'est bizarre. Non, bizarre. Ah, je peux dire que. J'ai bossé ce soir entre la chaîne YouTube,
où j'avais plein de vidéos en retard. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait mon icône dans le Honor là. J'ai fait mon icône des 9 mois. J'ai fait quoi d'autre? Ah voilà, une île avec deux arbres. Merci Benchou. Est-ce que je peux aller sur l'île avec les deux arbres? Ah ouais, c'est bon. Et il y a quelque chose par terre. Ça, c'est un carnet. Je crois que c'est celui qui a perdu ce vieux snob. Tu as raison? Allez, on va lui rendre. Donc ce soir, ça nous aura permis d'étudier notre est de notre ouest. Et moi, je vais aller au petit point bleu là, qui clignote. J'ai du mal à me repérer. Mais bon. Ah, c'est peut-être parce que la map ne bouge pas en même temps que... Bon, ça c'est un détail. Je crois que dans les options, je peux changer ça. Ah non, c'est bizarre, on a perdu Ryu. Après, il était fatigué hier. On a perdu Ryu et puis on a pas d'id. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, c'est peut-être un monstre spécial ici. Je vais sauvegarder. Désolé, ça fait un écran bleu. Parce que si je perds ce que je viens de faire, le truc du carnet et tout... Coucou Zuko! Ah, c'est ça, le Pioum-pied. Pioum? Pioum-pied? C'est bizarre. Ah, Pioum-pied et Pioum-pion. Voilà, c'est trop dur à dire. Alors si je fais l'âme machin, est-ce que j'aurai le potentiel de le tuer... d'en tuer au moins 2 sur 3? Non, mince. Ah, il va falloir que je sois concentré. Commencer par un boss, c'est peut-être pas la meilleure idée hein, que j'ai de ma vie. Attends, il y a de la vie là, il y a de la vie par terre, il y a de la vie par terre, lâchez-moi. Lâchez-moi. Attends, là, laisse-moi tranquille. Heureusement que j'ai de l'esquive hein, parce que franchement... Ah, de la vie. Attends, je peux lui mettre un petit coup de nuage de sable dans sa phrase, lui. Bon, allez, éclatez. Ça va très bien, et toi, Zuko? Je te l'ai éclaté. T'as passé un bon week-end? Mission accomplie. Ok, on retourne en ville. Donc là, je vois plus rien de spécial sur la map. À l'instant T. Puis on aura fait une quête. On aura fait même deux quêtes, parce qu'on a tué un monstre et puis on a ramassé un objet. Donc voilà, retour de Carabas. Pour ramasser... Chava. Chava bien. Sauf si je me paume. Voilà, Carabas là-bas. Mais je crois que ouais, je vais faire bouger la minimap. Zuko, je me suis gavé d'Overwatch ces derniers temps là. Depuis Halloween, je suis trop contente que ça reprenne. J'ai trouvé une nana pour jouer en plus. Elle joue tank, je vais finir par rameuter des gens pour faire une vraie team. Parce que quand on peut pas parler aux gens, c'est chaud. Donc on va voir le mec, on va voir Comptoir Express. On fait un petit dodo et on est parti pour la suite de l'histoire. Tenez monsieur, c'est bien votre carnet? T'as du mal avec Overwatch? Ah. Ça alors, pour sûr que c'est lui, fiston fantastique, tu m'as vraiment sauvé la vie, fiston. Je vous en prie, heureusement qu'il était là où vous nous l'aviez dit. En tout cas, j'espère que vous ne le perdrez plus. Ah bah non, certainement pas. En tout cas, tu mérites une récompense pour être venu en aide à un collègue, tiens. Une dent de géant, 50 florins. Et 3 tampons, ouais. Piou, piou, piou. Une dent de... Ça fait plus 1 en attaque. C'est bon, ça? Ah bon, merci, j'ai pas perdu mon temps. Ah, oh, un objet. Bon, hein, c'est toujours aussi mignon, ce petit jeu. Ce petit jeu de l'amour. Par contre, clairement, je saurais pas me rappeler aux endroits où on a creusé des coffres. Ça va être compliqué. Ou il aurait fallu que je les note. Sur Tales of Symphonia, j'avais noté tous les emplacements de coffres à rouvrir. À... Ah ouais. Ah oui, non, c'est un super jeu. Après, ce sont les goûts et couleurs. Des fois, c'est le fait de pas jouer en équipe qui joue aussi. Débusqué. Mission accomplie. 4 glaces salées, 80 florins. Et des tampons. C'est tout, 2? Bon, bah... J'ai plus rien. Récolter récompense. Non, maintenant, je vais garder des cartes. Les petites annonces, son panneau, blablabla. Et... Ainsi, bah, celui-là, j'ai pas fini.
Une femme oisive. Une femme à Carabas a perdu tout enthousiasme pour entretenir sa maison. Ça, c'est facile à faire, ça. Pourquoi ça apparaît pas? Ah non, je l'ai accompli, ça, j'ai fini. Pourquoi ça apparaissait toujours? Étonnant. Bon. Let's go! Salut Ryu! On commence à s'inquiéter pour toi? Pas trop fatigué? Est-ce que j'ai besoin de dormir, moi? Ouais, pour 10 florins, ça vaut le coup quand même. Donc c'est dans ce jeu-là où il faut bien dormir dans toutes les auberges aussi. Mais ils vont bien, les petits chatons! Moi, j'ai fait un nouveau badge, mais je sais pas s'ils voient assez. Je vous envoie un truc pour que vous voyez. Ils se voient pas assez de loin. Je suis déçu. Voilà, j'en commence. Parce qu'autant la petite tête blonde, la petite tête noire et la petite tête rouge, ça se voit bien. Mais là, une petite tête bleue, c'est trop clair. Attention, écran bleu. Si, ça se voit quand même. Ah, suffisamment, tu penses? C'est le badge du 9e mois, ça. Que Bench aura bientôt parce qu'il vient de rentamer pour 8e mois. Tu récupères? Ah oui, il faut que Zuko y ait une petite technique pour ça. Il faut que tu ailles dans tes paramètres, mais Ryu et Bench sauront mieux t'expliquer. Ryu, c'est le pro, il explique à tout le monde à chaque fois. Il fait dans les paramètres de la chaîne, je ne sais plus où. Salut Captain! Comment tu vas? Ah, toi aussi t'as eu moi? Bah oui, vous avez fait pris en même temps. Elle est jolie, la couleur de la forêt, c'est automnal. Et bah, dans un mois, vous aurez tous les deux, si vous continuez, bah, ce badge-là. Il a pas envie de se faire taper le monstre. Il s'enfuit. Je suis dégoûtée. Non, c'est pas si compliqué. Faut juste qu'on te dise le chemin. Le bois volé. C'est bon, y a rien d'autre sur la map. Est-ce que j'ai de l'enthousiasme sur moi? Non, j'ai plus d'enthousiasme. J'ai tout consommé. Paramètres et sécurité. Ok. C'est trop joli. Bah ça va et toi? Nous y sommes, le bois volé, une petite balade à travers cette forêt et nous serons de l'autre côté dans le désert en un rien de temps. Chouette! Mince alors, regarde ces champignons géants, tout est si différent de bois obscur ici. T'as pas tort mon petit Oli, c'est vraiment un type de forêt très différent. Avec tout le respect que je dois à notre vieux feuillu, le sol ici est tout simplement meilleur. Très fertile? Oh, si je commence à parler comme ça va être chaud. Très fertile pour sûr. Les arbres sont chargés de fruits et de noix toute l'année. C'est pour ça qu'ils appellent l'endroit la forêt de Bombance, tu vois? La forêt de Bombance. Ah, la dernière fois que je suis venu ici, on monte un bail. C'est pas de la nostalgie, ça? L'endroit grouille de fées, tu veux que je les appelle? Oui, s'il te plaît, monsieur Lumi. Eh oh les gars, il y a quelqu'un, c'est moi Lumi! Il n'y a personne, on dirait. Quoi? Pas de comité d'accueil pour le grand monarque seigneurial du peuple fée? Il se passe quelque chose de très bizarre, mon pote. Pas de fée en ville et aucune dans la forêt non plus. Qu'est-ce qui leur est arrivé à tous? On devrait peut-être s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Ah oui, enfonçons-nous plus profondément dans la forêt. Il y en aura peut-être plus là-bas. Puisqu'on va par là, de toute façon, traversons la forêt pour rejoindre Almameu. Et vérifier que ça... et voir ce que ça donne, tu veux? D'accord, j'espère vraiment qu'on pourra croiser quelques-uns de tes amis fées, monsieur Louis. En fait, les amis, les fées, ils essayent de l'esquiver. Ah, sur le tel, ouais, je suis pas sûr. Peut-être plus tendu sur le tel. La la la. C'est joli. C'est joli ici. Oh, mince. Gauche ou droite? Ah, bah je me suis fait attaquer. Allez. Guépétal. La merdique. Ah bah oui, forcément il résiste.
Ils résistent, les petits coquins. C'est vraiment très mignon quand même, par contre. C'est quoi le but du jeu, là? Bah, c'est un RPG, Captain. Donc, bah, c'est toute une histoire. C'est le fameux... On est la soirée du RPG, là, on est dimanche soir, donc... on fait les jeux, histoire. Alors, mon kiff, c'est de trouver les impasses. Voilà. Là, c'est de la belle impasse. J'aime bien tout parcourir sur ce genre de jeu. C'est pas très long, c'est pas des gros labyrinthes. Enfin, ce ne sont pas des gros labyrinthes. Pourquoi il y a un œuf licorne qui te poursuit? C'est Lumi qui est avec nous, c'est une fée. Alors, Captain, je t'invite, si tu veux suivre avec nous, à revoir les replays. Ça fait deux soirées qu'on fait là-dessus. Ouais, deux soirées, je crois. T'as encore temps de rattraper. Là, je viens de mettre le premier replay là, ce soir en ligne. Mais je mettrai pas longtemps à mettre le sur. Oh là là, ça retire rien du tout, elle. Ou alors, si je fais concentration. Si elle se concentre, elle va être plus puissante. Frénésie. Là, voilà, là, c'est mieux. Faut de la vie, par contre. Non! Je crois... C'était pas elle qui... Ah non, c'est pas elle qui résiste à mort... non, 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 je croyais. Joli, je ne sais pas pourquoi elle a fait un joli coup, mais ok. Très bien. Et on se bat avec des familiers dans ce jeu. Un peu dans le genre Pokémon. Et il faut essayer de les surprendre. Je crois que je vais me louper. Si... Mais il m'a rien, il m'a pas vu. En fait, il voit pas sur les côtés. On dirait Pokémon. Ouais, je suis d'accord. Tu vois des petites bestioles se battre à ta place. Justement, fallait qu'on s'en parle, tu vois. Ouais, c'est très mignon, ça se détend. Et surtout, il y a beaucoup de mangas. Et les mangas, on aime ça. Ah là 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 là. Sauf qu'en fait, c'est la merde. Non. On vient de mourir. Ah, c'est mignon, mais c'est pas si facile. J'ai pas vu ma vie descendre. À chaque fois, je me fais avoir quand j'arrive dans une nouvelle... dans une nouvelle zone. Ah, ciao, Ryu. Si je fais continuer, bah tant pis, je vais perdre 10% parce que... j'ai sauvegardé il y a longtemps. Oh, si c'est pour me remettre là, en plus. Moi, bah, je vais charger. Hein. À quel moment je vais enregistrer, moi? Bah, je vais quitter. Hein. Je vais recommencer, c'est pas grave. Est-ce que j'ai enregistré? À quel moment j'ai enregistré? Après l'auberge, je crois. Bon, bah, faut que j'apprenne à enregistrer plus souvent. C'est ma faute. Désolée. Surtout que c'est pas comme si j'avais des MP, c'est pas comme si j'avais un personnage qui soigne et tout et tout. Grosse nouille. J'ai une vraie courge, là, pour le coup. Ouais, mais Ryu, il a une petite femme, alors faut qu'il s'en occupe s'il veut pouvoir ne pas avoir de problème, le pauvre. Mince. Bon, c'est comme si on n'avait rien vu, on y retourne. Et cette fois-ci, j'enregistre à la stèle à l'entrée de la forêt. Promis. Bah, pourquoi il veut pas? Ah, c'est parce qu'il y a une fissure. Bon, clairement, là, j'ai pas trop de soucis à me faire sur ces bestioles-là. C'est ça qui est dommage sur la map. Ils sont gros, trop nazes. Ninokuni. Sans... Toi, tu le vois en anglais, le nom? Ninokuni. Ah, je sais plus, ça veut dire quelque chose. On a mis les voix en jap, en plus. Mais comme ça, Captain, tu vas découvrir de nouveaux jeux, hein. C'est bien. Tu vas ouvrir ton... ta culture, ta ludothèque connue. Je vois pas à quoi ça sert d'avoir l'avantage si quand je lance un familier, et bah, il se retourne. Si ça laisse le temps de réfléchir. Quoi. C'est surtout ça. Ah, attends, ça fait longtemps que j'aurais pas d'aide à manger. Attaque, défense, esquive. Ouais, ça c'est beau ça. Un petit défense d'esquive, c'est bien. Ah ouais. Un point d'esquive direct. Allez, un deuxième. Ça va être deux chacun, deux cornets de glace.
Bim. À l'autre. Et t'as vu, on peut les nourrir pour les booster. Yeah. Kiki gagne un point d'esquive. Ah, oh, Pokémon, c'est pas mal, j'aime bien perso. Ta défense combien? Toi défense 25 et toi défense 31. Ouais, bah en gros, c'est l'autre qui doit mettre de la défense. Après ça, j'aurais plus de friandises. Hein. On va prendre un bonus attaque pour lui là. Je sais pas si c'est comme les Pokémon et qu'ils se mettent à évoluer. Oh, il est content. Voilà, j'ai plus de friandises. Comme ça, il n'y a plus de jaloux. J'ai l'impression de me voir en train de donner du dentastite à ma chienne. Elle est trop heureuse. Bon, je vous passe les dialogues. Et j'enregistre cette fois. Je sais pas ce qu'il veut, moi. Eh, l'autre jour, j'ai fait mes 10 contre-attaques. Ah, j'aimais bien aussi Bulle Bizarre. Il est mignon. Si, l'autre jour, sur Witcher, j'ai fait des contre-attaques. Bon, allez, il raconte qu'il n'y a pas de feu qui vient le voir, etc., etc. Ça, on l'a déjà vu. Ah, je peux pas passer, faire start et passer. Ah oui, voilà, start et passer. Tout simplement. Et cette fois-ci, pas de boulettes, on enregistre. Plus ça restaure les PM et les PV, franchement. Que demande le peuple, comme on dit. Voilà. C'est reparti. Bon bah là, on connaît, hein, puisque je suis morte une fois, et lamentablement. Parce que les bestioles d'ici, elles font mal. Alors qu'ils sont idiots, complètement. Ah non, il m'a vu. Autant l'autre, il m'avait pas vu, mais là, celui-là, il m'a vu. Donc, comment on va faire si je me fais pourrir par le porc? Oh la vache! Ah bah, je vais faire... Ah! Est-ce qu'il va avoir le temps de le tuer avant qu'il attaque? Eh bah, on a eu de la chance. Ça, ça va pas du tout, parce qu'il faut que je défende, il faut que je défende. Il a lancé la charge, ça y est. Aïe 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 aïe. Bon, on va soigner. Sors, premier soin. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, on va faire revenir lui là parce qu'il a une bonne défense. Ah, des bibis de vie, des bibis de vie. Allez, c'est parti. Et si c'est chaque combat comme ça, ça va être chaud. Faut que je fasse bien gaffe. C'est quoi ce visage là, Captain? Je reconnais pas de loin. Yeah. Un sandwich. Et puis comme ça, Mina, j'ai économisé... Je vais quand même manger un petit quelque chose. J'ai économisé 100 florins. C'est des barbares, les messieurs. Ouais, non, non, ils sont violents. Quand tu te fais charger la tronche par un sanglier, là... C'est ceux-là qui m'ont tué, là, il y a 2 minutes. C'est ces petits machins-là, là, qui sont mignons. J'essaie de leur faire une lame erratique dans la face. Pygmy! Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un nuage de sable. Nuage de sable. Comme ça, il pourra pas me charger. Yeah, aveuglé, ça c'est bon ça. Tiens, prends ça, prends ça. Voilà, celui-là il s'est fait poutrer, pour le coup. Ramassez les billes! Voilà. Il y a toujours des billes dans tous les jeux. Dans Overwatch, il y a des billes. Ah ouais, c'est un peu ça. Chut. Il y a Bambi qui fait dodo. Pour ceux qui vont se retourner sur moi. Eh voilà, je me sentais. Ils sont combien? Oui, tout seul. Eh ben, on prend la... Ah, je vais peut-être tester l'autre. Ouais, tester l'autre. Concentration. Comme ça, je lui claque une frénésie dans la France. Il est quand même, ouais, il est quand même puissant, lui. Il n'y a pas de défense, mais il est très puissant. Avec sa petite mèche de cheveux sur le front. Et mon fils, il commence à demander à jouer à Pokémon, justement. Ah, j'ai peur que ce soit pas le cul-de-sac. Non, ce n'est pas le cul-de-sac. Retour en arrière.
Moi, je cherche les coffres. Ah, elle m'a vu, elle. Bolétargique et gay pétale. Bolétargique, j'ai peur qu'il nous endorme. Tiens, et maintenant j'attaque qui? Défense. Yeah, j'ai défendu à temps, pour une fois. Je suis trop fière. Ça change. Tiens, gay pétale, prends ça. Ah, de la vie, de la vie. Tiens, coup d'épée dans ta face. Je me défends. Faut juste que je me concentre un peu. Bon, toi, t'es encore en vacances, Mister Captain. Mister Captain. Ok, vrai cul-de-sac pour le coup. Je peux pas descendre? C'est bizarre, ça. Bon, bah... Ça s'invente pas. C'est quand même mignon tout plein. Salut Miracle pour ton follow, bienvenue parmi nous. Avec Mister Captain, la fête est plus folle. Ces champignons géants bloquent le passage, Psylumi, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, on saute dessus, pardi? Hein, mais ils ne vont pas casser? Mais non, mon pote, il faut plus que le passage d'un petit gars comme toi pour venir à bout de ces formidables champignons, ça va bien se passer. Ah ouais, bien joué, excellent choix, Miracle. Moi, tu vois, je viens de découvrir et c'est vraiment sympa. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé, Bench? J'espère vraiment qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Ça se trouve, le cul-de-sac n'était pas un cul-de-sac. Je vais aller voir. Je vais faire ma curieuse. Et bienvenue parmi nous, Mirac. Hein. Installe-toi bien. On n'est pas sauvage. Tac, pygmy dans ta face. Je me suis pris une mini déculottée quand je suis arrivée dans la... dans la forêt, là. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient si violents, les petites baits. Ah, il a raté son coup, là. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais, mais même si, des fois, il se prend quand même un. Hein. Ouf. Ah. Ah, c'est vrai que tu t'es fait cramer, toi, Captain. Mais t'étais déjà en vacances, toi. Bah, je pense faire le 2 après. Alors, je sais pas si je ferai le 2 directement après celui-là. Mais bah, un jour ou l'autre, ouais, je ferai le 2. Ils ont pas du tout la même ambiance tous les deux, mais Ah non, c'est un vrai cul-de-sac toujours. Bon, bah, tant pis. Y'a rien à faire là. J'ai beau tourner dans tous les sens, non. Et comment t'as fait pour te faire cramer, Captain? C'est sur le portable là? Ouais, ici c'est la chamille, comme on les appelle. Et les badges abonnés, ce sont des super Cheyenne. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de t'expliquer la référence. Et on est des gros amateurs de RPG la plupart du temps. Dans le lit. Bulgout? J'espère que le jeu m'a enregistré il y a pas longtemps parce que voilà quoi, ils me font peur. Émanation toxique, ça craint. Alors, j'essaie de faire ça à chaque fois. Pourquoi ça fait une petite Est-ce que ça a arrêté l'attaque de l'autre? Oh là là là, attendez. Sors, premier saut. Ah, ils sont peut-être sensibles aux minces. Ah, mince, aux boules de feu. Oh, ma vie, elle est pourrie! Pardon, j'ai crié. Voilà, ça c'est revenu. Lui, il revient aussi. Il y a de la vie par terre! Et va chercher la vie! Va chercher bonheur! Tiens, finis-le! Toujours sur fun. Il n'y a pas moyen de mettre mon Twitch en FR sur mon ordi? Bah, si, tu l'as pas en français. Dans tes paramètres? C'est bizarre qu'il soit pas en français sur ton PC. Allez, monte, hop. Ça va où ça? Oula, oh là, oh là, oh là, oh là.
C'est quoi, il y a un truc par terre bizarre là. Et moi, comme une idiote, j'y vais. D'accord. Oh, ma parole, c'est un fichu robot, ça a l'air de faire un sacré moment qu'il traîne ici. Mais t'as vu qu'il risque pas de nous aider à traverser la forêt, on ferait mieux de le laisser là pour l'instant. Un robot. Et un coffre. Vous avez obtenu un jeu de crocs de bête. Hein, équipement. Non, pas paramètres, équipement. J'en ai profité pour me guérir un peu. On a dit équipement. Plus 2 en attaque, c'est bon ça. C'est bon Zuko? Et du coup t'as trouvé paramètres sécurité pour ton badge? C'est paramètres sécurité je crois, et après la Ryu il avait donné la suite mais je l'ai pas noté. Chut, on est pas là. Non! On va faire venir l'autre bestiole pour changer. Lui par exemple il a pas défense parce qu'il a pas de bouclier. Il a frénésie. C'est-à-dire qu'ils se concentrent et après boum, il leur éclate leur petite race. Où est-ce que t'as vu qu'il avait une dent lui? Je vois pas. Cul-de-sac. Ok. Non, c'est par là. Rien de spécial. Et toutes les musiques sont faites en orchestre et ça c'est cool. Ça rajoute vraiment quelque chose. Surtout quand on se fait courir par des petites bêtes. Attends, je me mets une pause. Oui, là ça va. Paramètres de la chaîne. Je crois que c'est de paramètres de ton compte. Je dirais paramètres de ton compte. Captain, c'est encore un bébé, il faut qu'il dorme. Non, je dirais Zuko que c'est ton paramètre de compte. S'il est bien suivi. Ah, je déteste le venin. Attends, je cherchais l'MP. Attends, annule. Voilà. T'excites pas, va chercher l'MP. Si tu vois les. Je vais te faire un petit sort de premier soin là. Ça t'apprendra à faire ton lit. Oui, t'as le droit de regarder ce que tu veux jusqu'à une certaine heure. Ah, Mimi apprend le talent coup de bélier. C'est bien beau, mais je crois qu'il en a trop lui dans ses compétences. Talent. Ça fait quoi coup de bélier? Élément formé 1 de l'énergie concentrée qui pilonne l'ennemi visé et lui inflige des dégâts physiques. Bon, on peut tester à la plage. Mes coups de bélier, j'aimais bien. Ah. Ryu qui revient aider. Paramètres de ton compte, paramètres de sécurité. 21h dodo. À 16 ans, il te. Bon bah. T'es encore un peu restreint, mais bon. Qu'est-ce que je voulais faire là? Je ne sais plus. Je remets de la boufferie là. Ah, j'ai mis coup de bélier pour tester. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je ne sais plus. Là, on a des champis si on a envie. Pour aller je ne sais où. Et là, on a quoi? C'est peut-être un cul-sac, les champis. C'est bon, Zuko? Ouais, t'as retrouvé ta petite tête. Ta petite tête. Ouais, bah oui. Moi je sais que si j'avais des parents derrière moi encore, ben, ce serait pas si mal. Parce que je fais souvent n'importe quoi pour le sommeil. Clairement, je sais pas pourquoi ça fait ça ici. Ouais, ça fait des chiffres en bleu. Il faudra qu'on m'explique. Je vais pas expliquer encore, Lumi. Allez, finis-le. À 17, pardon. Ah bah, et tu grandis, hein. Ouais bah 17 je trouve que ils sont vachement sur ton dos mais je vais essayer les champis. Je cherche le cul-de-sac. Pouic pouic pouic. Cul-de-sac? Ouais. Par contre pas de coffre, rien, bande de radins.
pas de coffre et rien qui brille. Ah, je suis dégoûtée. Bon bah... Comment mettre une zone dans une forêt qui sert à rien? Ah pardon, vieux havre, est-ce que j'ai oublié de te dire bonsoir? T'es sûr? Je t'ai pas dit bonsoir. Ah non, je t'ai peut-être répondu à ce que t'as dit, mais... Ah non, il n'a rien. J'ai peut-être répondu à ce que t'as dit sans dire bonsoir. Mais est-ce que toi-même t'as dit bonsoir, Viab? Je suis pas sûre. Ah, que timide en face de nous. Ah, il m'a raté. Sur trois coups, il m'en a raté deux. Ah, que timide. Par contre, lui, quand il est en frénésie, je peux te dire que... Oh ah ouais, la frénésie, il m'a éclaté. Ah bah c'est ça. Oh Jean, viens voir. Oh, on s'est pu avec toi. T'es insondable. T'avais pas vu le premier live encore? Bah il s'excite tout seul lui. Mais c'est une blague, il se casse. Mais tant pis, hein, s'il a pas envie de se faire taper dessus, je comprends. Hein. Alors lui, j'ai cru qu'il allait se faire avoir, mais comme ça. Non. Non, on n'en est pas encore à ce point-là, Belge, quand même. On est encore un peu ouvert. Oh, mais dis, le bolet léthargique, il s'est pris un méchant coup, là. Tiens, je te finis. Tiens, toi aussi, frappe fort. Ah, j'ai cru qu'il allait me faire coup de bélier. On a toujours pas testé le coup de bélier, tiens. Mais non, commencez pas à vous provoque. Toi aussi... Ah non, toi, viens, tu veux garder ton badge first ou tu veux en voir un autre? Je sais pas si on en avait parlé de ça. Il y a un petit endroit, là, qui est caché. Il y a un objet, ici? Non, même pas, que dalle. Ah, attends. T'as remarqué tous les... Il parlait des points jaunes qui virent volter. Redis-moi, s'il te plaît. À part répéter... ok, non mais il répète combien de phrases différentes? Ah oui, d'accord, ok. Il répète je ne sais combien de phrases. J'ai l'impression que c'est pas le cul-de-sac par là. J'ai bien peur que ce soit pas le cul-de-sac. Si? Ah si. Ah bah il était loin, on l'a trouvé. Bah alors ça c'est pas mal, je passe à travers. T'as vu, t'as un badge first. Oh. Je comprends pas comment elle a pu se faire avoir là, à nous voyer arriver. Ah ça y est, c'est règlement de compte ce soir. Règlement de compte à Ok Coral. Comme dit mon collègue. Et vu que vous êtes beaucoup, je vais en profiter pour vous le dire. Il y aura un stream sauvage mardi. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous fait plaisir? Et j'espère qu'il faut pas avoir trouvé 100% des maps, parce que y a des endroits où je laisse en... Des streams d'amour, ouais c'est clair. Trop d'amour là ce soir, purée, ouf. On est tout fait d'amour. Donc ouais, petit stream sauvage à mardi pour ceux qui veulent. 21h-23h comme d'habitude. Aïe aïe aïe. Alors c'est pas mal, mais ça consomme vachement de MP. En temps 18, ouais, c'est chaud. Yeah. Bon, maintenant je surveille ma vie quand même parce que. Ah, ça y est, bien, bon, il fait la tronche. Pourquoi Ryu, tu as boycotté mon stream? Parce que le jour où je me suis endormi à la fin de Planet Zoo? Que j'ai fait mon bench? C'était pas contre toi, hein. Ben je suis pauvre là, Alors lui, vraiment pas je chope. Hein. L'image que t'as, pauvre Bench. Voilà, je fais exprès de dérafler le mur là. Ah, c'est... Ils sont décidés à m'attaquer.
Bon bah tant pis hein, pas de nouveaux jeux à découvrir et puis pas de live mardi. Hein. Pourquoi Captain? À ta monitrice ou à une monitrice en général? T'as retourné à droite, tourné à gauche. Bim! Ouais, ça c'était beau ça. Yeah! On commence à être bon! Ah non, c'est ta monitrice de l'école. Le capitaine il dort pas pendant le stream. C'est bizarre là. Tac par là. C'est vraiment bizarre que sur la map ici ça reste gris. Ah c'est qu'il y a deux choix. Ah il y a le choix par là. Qui mène je ne sais où. Ah cul de sac. Que de ça comme je les aime. Mais il veut pas que je chope lui, voilà. Je fais des dérapages au mille. Est-ce que j'ai assez de MP? Non, vaut mieux que je les garde cette fois. J'en ai que 14. Il esquive bien le père quand même, malgré tout. Ouais. J'aime bien ces petits sauts en arrière là. Oh ah, je crois qu'il vient de faire un critique. Des dérapages en ville. Tu fais brouter la voiture quand tu démarres? Moi je sais que des fois je fais ça avec ma voiture. Je fais crisser les pneus. Donc là on en revient ici. Ah bah il y a un coffre. C'est déjà ça. Un café glacé. Là on a fait une boucle. Donc on sait où on doit repartir à peu près. Ok go. Ah ouais non. Puis la vitesse ça sert à rien Captain tu sais. À part consommer plus et puis prendre des risques, ça sert pas à grand chose. Le vieux qui réclame le ban. Ike, non, non, je me suis pris le coup de bélier. Ah, ça craint. J'ai pas esquivé le coup de bélier. En plus, je pouvais pas défendre avec lui, donc pas de regret. Pardon, bench. C'est mal ça. Ah oui, bah oui. Ah oui, sur certaines heures, en dehors des heures de trafic, et sur l'autoroute, à certaines portions, c'est vrai que t'as le droit, c'est ça? C'est ça, Bench? Ça va où ça? Impossible de sauter sur ce champignon, il va falloir trouver un autre moyen. Oui, bah pas de soucis, il y a d'autres routes hein, pour le moment. C'est pas fermé. Pouf pouf pouf. Non, on va aller par là. Pour clôturer ce point là. Est-ce que c'est vraiment un plaisir de ban? Attends, et Viop, ce serait dommage de se ban entre nous alors que ça se passe bien. Aïe ya! Ah! Aïe! J'ai eu mal! Lui là, il va vous mettre une frénésie dans la face. Tiens, fini Guépétal et concentre-toi pour Pygmy. Tiens. J'essaye de varier un petit peu, de faire venir tout le monde pour que profiter de chacun. D'accord. Ah, c'est jour et nuit parfois. D'accord. Bah déjà, faut une bonne voiture à qui puisse y aller au 200. Moi, si je venais avec ma petite voiture de double, je peux te dire que je ferais pas grand-chose. Donc ok là, on peut pas monter. Ce qui m'embête c'est qu'il y a un coffre vert là-haut. Non c'est pas très grave. Je rase les murs ici. Normalement il n'y a pas d'autre chemin. Là on est allé, ok. Dérapage au premier virage. Il veut pas aller à plus de 180. Coucou! Coucou le porc! Je trouve qu'elles sont de plus en plus puissantes les bestioles ou c'est moi? Là je prends un risque là. Il faudra que je consomme des provisions si je veux. Il aura quand même fait mal hein. Frappe port là, il est bientôt mort.
Casse-toi l'araignée! Voilà. Tiens! quasiment. J'ai eu une Twingo, ma première voiture c'était une Twingo. Et que j'ai revendue à une parisienne. Et je me suis acheté une Ford Ka. Mais c'est pour ça que je l'appelle la Caca. Ou la Cacarte aussi. Parce que c'est un vrai carte la petite bagnole. C'est la Cacarte. La voiture de poche. J'ai envie d'un break. Comment il s'appelle le genre de dragon qui crachait des bulles hier? Captain, tu joues trop à Need for Speed. Le dragon qui crachait des bulles hier. Ah, vous étiez sur un autre jeu? Ah oui, vous étiez sur Monster Hunter, c'est vrai, sur Switch. Je pouvais pas venir, dommage. C'est bien qu'il y ait plusieurs champions, on puisse pas leur monter dessus. Oh, pardon, bah ils m'ont dit mon choix. Oh oh, qu'est-ce qui se passe ici? Petite clairière. Arbre bizarre. Bon, bah on va parler à l'arbre bizarre. Mince alors, qu'est-ce que c'est que ça? Chouette, c'est un œuf de familier. Ah! Oh! Eh ouais, je suis en karting pour aller au taf. Un œuf de familier? Mais tu ne m'as pas dit que les familiers venaient du cœur des gens? Bien sûr que si, mon gars, mais ils ne viennent pas que de là. Les familiers peuvent naître partout, il y a ce qu'on appelle la force vitale en abondance, tu vois? Le ciel, la mer, la forêt, les champs... peu importe le lieu, mon petit Oli, dès qu'il y a assez de force vitale accumulée, ils jaillissent. En réalité, ils peuvent même naître des objets quotidiens si on s'en sert et qu'on les aime assez fort. Je sais que c'est dingue, non? Des forts de cas qui bombardent. Ah, des cartines qui bombardent. Ouais, non, la route, faut pas rouler fort, hein, c'est clair. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est un vrai conseil. Waouh, ça a l'air drôlement puissant la force vitale. Alors cet œuf provient de la force vitale qui s'accumule ici dans la forêt, c'est ça? Ah non, mais moi je suis pas en vacances, hein. Je bosse demain. Si c'est pas de la jugeote que t'as là, la force vitale est une énergie puissante et mystérieuse qui a de quoi émerveiller. Mais les résultats ne sont pas toujours aussi magiques. Parfois, au lieu de sympathiques familiers, ce sont des bestioles méchantes et sauvages qui naissent. Tu parles des créatures qui nous attaquent sans arrêt? Celle-là même, et la seule façon de leur apprendre à ne pas attaquer tous les gens qu'elles croient, c'est de ne pas se laisser faire. Prends pas cet air inquiet, on ne le tue pas, ces pauvres bougres, on les envoie juste dans un endroit où ils ne peuvent plus nous embêter pendant un moment. Et ouais, d'accord. Je me demande quel genre de créature sortira de cet œuf. J'ai hâte de le voir éclore. Tu risques d'attendre encore un moment, petit Oli. Vise un peu tous les morceaux d'arbres qui l'entourent, ils sont tout flétris, on dirait que la force vitale de la forêt s'est faite rare. C'est pour ça que toutes les fées ont pris la poudre des scampettes. Désolé, mais si les choses restaient dans l'état, cet œuf n'est pas prêt d'éclore. Zut alors, c'est vraiment triste. On va pouvoir faire quelque chose, monsieur Lumi. Tu as raison, Oli. Ah, Viob, si tu n'apprécies pas Ni no Kuni. Tiens, justement, ce qu'il faut, Romain, il faut que je te fasse un dessin. Tout ce que tu vas faire, c'est lancer un sort capable de rendre vie aux éléments flétris, leur rendre leur splendeur passée, si tu vois ce que je veux dire. Évidemment, monsieur Lumi, voyons. Un sort capable de ramener les blanches flétries pardon, à leur état d'origine. Est-ce que j'ai ça, moi? Bah, je vais bientôt en avoir des vacances. J'ai cure de jouvence, ce qui peut être pas mal. Rien ne se passe? J'étais pas assez prêt? Ah voilà, je suis rassurée. Tip top, regarde Oli, il éclos, admire le miracle d'une nouvelle vie. Je sens qu'on va se prendre un boss. Mince alors, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider? Ah non! Génial, il a éclos, on a réussi, monsieur lui. Ah, si c'est pas magnifique, ça rien de tel qu'une éclosion réussie pour mettre les larmes aux yeux. Hihi, arrête, c'est chatouille. Je crois qu'il t'aime bien. Ah, il est mignon. C'est vrai. Bon, petit bonhomme, on doit partir maintenant. Profite de ta vie dans la forêt, d'accord? Quoi, tu ne l'emmènes pas avec nous, Oli?
Il vient juste se déclare, monsieur lui, je ne peux pas l'emmener avec nous, c'est trop dangereux. Ouais, tu marques un point là, entendu. Très bien, Mimi. Mimini. Prends soin de toi, d'accord? Au revoir. Au revoir et son prénom. Bon, bon, on l'a fait s'éclore et puis voilà. Gueux. Gueux. C'est tout? Y'a rien d'autre à faire ici? Gueux. Il parle par gueux. Les vacances? Oh oui, j'imagine. Et imagine, quand tu travailles, t'as plus que 5 semaines de congés payés par an. C'est pas beaucoup. Hein. Pardon, je me suis trompé de bouton. Je crois que j'ai plus beaucoup de choses hein, de MP, tout ça, tout ça. J'ai plus rien, c'est génial. Faut que je ramasse des trucs. Allez, le poison. C'était des MP qui m'intéressaient. Oh, on voit qu'ils éclatent. Papyrier, Mumiline. Quoi, on s'en sort pas si mal, on reste jeune dans notre tête. Non mais oh! J'ai bougé un peu de poussière aujourd'hui, je fais allergie. Encore. Pygmy! Je sais pas combien de monstres on a fait depuis tout à l'heure là. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ça marche quand même, mais bon, c'est moins efficace. Un chapi, c'est mignon. Chapi chapeau. Il y avait une chanson de chapi chapeau. Oh oh! Bah ouais, j'ai demandé si tu étais enrubé. Eh bah, je suis un peu enrubé, ouais. Eh bien, regarde qui voilà, c'est le Mimini de tout à l'heure. Comment ça va, Geno? Nous a suivi? Pas du tout flippant. On dirait qu'il veut qu'on le suive maintenant. Tu crois qu'il y a quelque chose à nous montrer? Ouais, mais je crois que. En fait, normalement, j'ai un médicament pour les allergies. Parce que je suis allergique au poil de chien. Et à la poussière, et aux acariens, et au machin. Mais souvent, j'oublie de le prendre, donc ça fait des choses comme ça. Alors, je me demande bien, il a peut-être trouvé quelques-unes de mes comparses féeriques. En parlant de fées, elles ressemblent beaucoup plus aux fées que telles que je les imaginais que toi, le monsieur Louis. Oh, ah oui, c'est vraiment. Comme quoi, ça prouve que tu n'y connais rien. Quelle effrontée! J'aime pas prendre des médocs, je suis nulle. Je suis nulle à ce petit jeu-là. C'est nul les médocs, c'est nul d'être allergique. Puis c'est con d'être allergique aux chiens et d'avoir un chien aussi. Ça, c'est ma faute, j'admets. Des bulgoutes. Oh oh, la vie est pourrue. Wouah, nice. J'ai esquivé l'émanation toxique. Ah bah là, c'est là, j'ai pas esquivé. Est-ce que je prendrais pas un petit morceau de pain après, au cas où? Ouais, ce serait pas mal. Tiens, DMP! C'était quoi la grosse boule dorée, là? Mardi? Bah toi, tu voulais stream à quelle heure? De nuit ou pas? Ou avant? Voilà. C'est mignon cet univers là. Bah elle va faire pousser les champignons j'imagine. Elle va où? Ah c'est pour ça que c'est un cul-de-sac ici. D'accord. Eh ça me dit quelque chose. Bien sûr Andouille. C'est une page de l'almanach du magicien. Et ici quand tu trouves quelque chose tu le gardes. C'est la loi de la forêt. Bref prends là. Ah tu veux les stream le soir? Génial. Parce que là, demain soir, t'avais pas prévu de streamer, toi? Non, non, c'est pas priorité à moi.
Croissance rapide. Ah, pour les champis. D'accord. Non, non, c'est pas moi la priorité. Hein. Merci de nous avoir montré le chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit qu'ils peuvent, qu'ils pensent pouvoir être utiles. Il veut nous accompagner dans notre voyage. Mais c'est juste un enfant, c'est trop dangereux. Bah, lui, c'est quoi? Il manque pas de culot, le mioche. Regardez qui parle, qu'il dit. Il veut dire que toi, t'es un enfant, toi aussi. Il n'a pas le tort. De lundi, t'as sport? C'est pour ça que je crois que j'avais prévu le mardi. Bah après, ce serait du 9h à 23h, toi, tu voulais faire quoi? Il calme, mon pote, les créatures comme lui sont nées pour être des familiers, et ce que font les familiers, c'est voyager avec des femmes magiciens comme toi, non? Sans doute, d'accord, tu peux venir avec nous. Tu ferais bien de donner un nom à ce petit bonhomme. Dans ce cas, ça scellera notre accord, un peu comme si tu devenais officiellement son maître. Granule. J'ai une idée, au lieu qu'il s'appelle Granule. Juste que je vais avoir cette place. Ouais, c'est bon. Ça vous plaît, ça? À la place de Granule? Ah mince. Moi, je vous laisse décider si ça vous plaît mieux, ça, ou pas. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ça vous va ce petit nom là Et Ryu, j'ai une question. On peut changer les noms de nos familiers après ou pas? Ou Gradouble? Gradubide ou Gradouble, ça me fait rire. T'es comment tu passes d'un truc mignon à un truc glauque? Non, tu peux pas changer. Ouais. Ou attends, un truc mignon. Mais ça va pas avec lui, je trouve. Graou. Toi, tu veux l'appeler Comprimé Zuko. Ah! On va l'appeler Homéo. Parce que c'est granule. Homéopathie. Oh là, c'est quoi tous ces signes? Homéo. J'aime bien. En plus, c'est plus remboursé maintenant. Homéo. Fais voir sa tête, bah c'est une feuille. Non mais Homéo, ça me va, ouais, ça me plaît bien. C'était pas granule, mais c'est un autre nom. Allez. Voulez-vous vraiment surnommer la graine de lutin Homéo? Ça me fait rire. Ça s'écrit avec H, homéopathie? Oui, je crois. Hein. Homéo. Entendu, merci. Si c'est une feuille, il faut l'appeler PQ. Bah oui, mais Gradubit, c'était pas assez discret. Ça te fait trois familiers maintenant, ça. Et regarde-moi ça, celui-ci peut esquiver les attaques et tout. Esquiver, c'est une sorte de talent. Ouais, on peut dire ça, c'est un peu comme la défense, sauf que tu ne subis aucun dégât. Le truc, c'est que ça doit se faire très vite, hein. Il ne faut pas se rater et réagir au bon moment. Tu deviens assez doué pour la bagarre, hein. En fait, tant qu'on y est. Je vais peut-être t'apprendre une autre petite ruse. Génial, laquelle? Et bien voilà le topo, si tu lances une attaque pile au moment où l'ennemi t'attaque aussi, tu fais ce qu'on appelle une contre-attaque. Et si elle est réussie, ton ennemi sera tellement étourdi qu'il restera planté là et tu pourras en profiter pour le ruer de coups. Tip top, hein? C'est assez simple de repérer le moment idéal pour contre-attaquer car la petite bulle attaque en haut, en bas dans le coin, clignotera en bleu. Ok, ça m'a l'air un peu compliqué mais je ferai de mon mieux, monsieur Louis. Victime. Tu veux l'appeler victime? Ah, je dis, j'hésitais entre Gradubide ou Gradouble. Mais il faudra faire ça sur un familier qui est un peu gros, quoi. Ah, ça a l'air, vous êtes bien éclaté. Hein. Ça, c'est cool. On va aller tester la croissance rapide. À quel endroit je voulais tester la croissance rapide? Pouf, pouf, pouf. Ah, si, je vois où ça. Pardon, je vois où je vais aller, parce que comme ça, ça me permettra d'enregistrer. Ah, ils comprenaient pas l'intérêt de Twitch? Ah, faut y avoir goûté, hein. Dès que t'y as goûté, tu peux plus t'en passer. Non, ce sont pas ceux-là que je cherche. Ah si? Ah bah si, ça revient à l'entrée. Attends. Non, non, je suis en train de me tromper. Ah bah si, c'est ça. On est revenu à l'entrée. C'est-à-dire qu'il faut ressortir? Ah, d'accord, c'est que j'ai des champignons à l'endroit. Bon, je vais quand même sauvegarder, hein. Je suis pas loin.
Esquiver, c'est pas pour Lynn, c'est clair. Remarque, si j'esquive pas, je cours beaucoup. Aïe, il y en a, il m'a attaqué. Non, pas du tout, les Star Wars, je les prends pas perso. Est-ce que je teste avec Oméo direct? Bon, elle est niveau 1, Oméo, on va pas le mettre au combat. Hein. Il est trop jeune encore. Mais lui, c'est une victime, Kiki. On a quand même un appelé, on a quand même appelé un Kiki, hein. Mais bon. Tiens, tiens! Aïe! Et si je fais aiguisage? C'est-à-dire qu'il faut que je passe à lui et que j'attaque. Pim! Voilà. La technique du coureur. Mais je t'avais dit, Zuko, que j'avais eu le badge marathon dans un jeu. Tiens, Oméo, il a pris deux niveaux. Bon, bah, oh. Ok. Ami, familier, talent. Bon, bah, oh. Donc, lui, il fait des dégâts d'eau, d'accord. Ça me fait rire, Oméo, pour une plante. Ça me fait vraiment marrer, en vrai. Sept messages ont été supprimés. Ah, c'est ta ban à cause du spam de Captain. Eh ah ben, faut pas énerver Ryu. Ouais, ça c'est fait. Ah, l'araignée, elle a encore bugué. Ouais, j'ai vu le PTDR. Arak timide. C'est vrai que si tout le monde mettait ça, bah, je galérerais un peu pour vous relire. Hein. Oui, ça c'est vrai. Bah, il a spammé. Ça arrive souvent. Le problème, c'est que ça fait défiler le chat et que moi, je peux vous louper des messages à cause de ça. Ouais. Mais j'aime bien, il aime bien ce... Je pense qu'il aime bien aussi ce... Trouver des maîtres. Il a trouvé son maître. Ouais, c'est vrai. Sauvegarder. Oui, comme ça j'aurais pas besoin de tout refaire. Non, mais tu vois, si tu le fais une fois parce que la situation s'y prête ou... Bon. Et là, ça s'y prêtait pas trop, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. Non, mais comme d'habitude, on lui réexpliquera. Pas un souci. Ah, ça fait du bien de revoir des DMP. Ça va dépoter dans votre tête, les monstres. Ah oui, c'est vrai qu'il peut esquiver le petit nouveau. Allez. J'allais dire, il a fait un bruit de vache, le cochon, c'est bizarre. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oméo atteint niveau 4. Est-ce que je peux faire la croissance à partir d'ici? Je suis pas sûre. Croissance rapide. Rien ne se passe, ouais, je suis trop loin. Faut que je sois à côté d'eux. Donc il y a deux endroits où il y a cet endroit là qui m'évite de faire le tour. Et il y a un autre endroit qui permet de continuer. Oui, c'est clair, oui, oui. T'inquiète pas, Bench, vous êtes pas méchant là-dessus. Vous êtes juste. Après ça va, on a moins de problèmes qu'à une époque quand même. Bon, je vais tester le petit nouveau. Voir ce qu'il sait faire. Esquive. Attaque. Si je fais bombe à eau sur eux, ils s'en fichent. Ouh là là, il prend des dégâts. Bon bah, on va faire venir le copain. Hein. Tiens. Bah, même lui, s'il est pas bon. Oh oh, venin mortel. Et voilà, c'est dommage. Bon, le petit nouveau est pas prêt, hein, clairement. Oui. Il est jeune.
C'est le plus jeune d'entre nous. Ouais. Oui, oui. Plus t'as vu, tu prends le temps de lui en parler par MP et tout. Et il a quand même réussi à avoir un level. Hein. En étant ban, il a eu son level, Captain. C'est fort, ça. C'est très fort. Si je vois à quel endroit je dois aller. GG, Captain. Ah, j'aurais pu prendre l'autre. Bon. Enfin, l'autre, le deuxième, pas le petit nouveau. Joli. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que je peux faire des contre-attaques. Aïe. C'est quand la barre devient bleue. Ah, j'ai pas vu où. Oh, c'est un troll mignon. Merci Ryu. C'est un mini troll quand même, malgré tout. Je vais tester ma croissance machin là. C'est par où, par là? Vous savez, si je préfère pas me perdre et pas vous faire perdre de temps. Parce que si on passe une soirée dans une forêt, vous aurez vu mieux. Ah, je me fais charger par le truc direct. Oui, c'est un mini troll, Captain. Hop là, va frapper. Oh là là, oh là là, oh là là, l'araignée qui fait roule-boule. 12. Eh ben, elle a pas fait semblant. Elle a pas fait semblant du tout. Tiens, meurs. Troll ten. Cap troll. Ah, cap troll, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Cap troll. Il est resté combien de temps sans venir? Après, en période de cours, on est les premiers à le disputer. Parce qu'il reste trop tard. On va y arriver. Le petit nouveau, tiens, va faire tes preuves. Somnibule. Ah, il s'est pris un coup de bélier direct, le pauvre. Joli. Il fait aucun dégât, c'est génial. Bon, bah, oh. Faut qu'il dégage, parce qu'il a pas de résistance. Et on va tous mourir à cause de lui. Je suis désolée de le dire, mais... Non, ça, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Frénésie ! Oh, 18 en un coup. Une semaine, ah ouais, quand même. Je me demande bien ce qu'il a pu leur raconter à ses parents. Moi, c'est pas des vidéos de cul qu'ils regardent. Je trouve ça plutôt simple. Enfin, je veux dire qu'il y a plus le malsain, il y a plus malsain que nous. Hein. Eh, je pensais pas qu'on allait passer autant de temps dans la forêt là. Allez, finis-le avant qu'il te fasse une charge. Voilà. Parfait. Bon, je trouve toujours pas l'endroit où je peux faire de la contre-attaque. Bon. J'ai pas fait gaffe encore. Ah oui! Oui, voilà, c'est clair. Sur Witcher, il y a eu des petits moments chauds, ouais. C'est vrai. Bah, qui ne l'a jamais fait, sincèrement Non, pas assez de... Oh. Heureusement que j'ai un café glacé. Croissance rapide. Quoi? Mais attends une minute, je viens d'avoir un éclair génie. On peut faire pousser des champignons grâce à la magie. Bah oui, c'est ce que je voulais faire. Bah oui, laisse-moi le faire. Voilà. Ne laissez pas le faire. Est-ce que je vais avoir le coffre vert? Mais j'ai pas le crochetage vert, je crois. Bon, ça c'était juste pour faire un tour parce que... Enfin, pour faire un test parce que j'avais déjà fait le tour. Donc, maman, ça fonctionne. Bon, c'était évident que ça allait fonctionner. Et je vais quand même passer par là pour voir si ça déclenche quelque chose, mais je crois pas. Parce que là, je peux pas aller là.
Mais comment j'attends là? Parce que là, ça fait juste ça. Ah là, c'est vraiment bizarre. Bon, tant pis. On saura peut-être plus tard. Je me rappelle de l'époque de Canal Sat et compagnie. Hein. Le week-end. Bon, je lui mets concentration. Freddy! Bim! Il lui a sauté dessus! Yeah! Il l'a achevé avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Canal. Canal Plus. Canal Chat. Oh, mais non, mais dit comme ça, ça fait abuser. J'ai même pas fait exprès. Le journal du... Ouais, je vois ce que c'est là. Puis le dimanche soir sur M6. Yeah! Une nouvelle zone! C'est parti! Avec plein de nouveaux animaux bien dangereux. Ouais, c'était ça. Pour parler sérieusement à ce sujet, j'ai toujours préféré le... Oh là, voilà, 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 voilà. Ben, si on se l'est bouffé, voilà. J'ai toujours préféré le... l'érotisme au porno. Ça, on rajeunit pas. Bah, Clara Morgan était sur Danse avec les Stars, là, on l'a pu la revoir à la télé. J'en ai jamais vu un seul film avec elle. Oméo et niveau 7. Bon, il est temps qu'on sorte là, hein. On en a assez bouffé de la forêt. J'ai toujours préféré la pratique. Ah, c'est ça la punition, Captain. Alors le SAT, moi je l'avais pas, hein. C'était chez une amie. TMC, c'était sur quel... Oh 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 oh! Non, bah j'ai arrêté, j'ai plus la télé là. Ce TMC c'est un. TNT ça? C'est la chaîne TNT? Ou je sais même pas. Ah non, je confonds avec RMC? Je les ai bu. Je les ai bu. La 4. Non, mais maintenant il y a internet. Hein. Tu fais tout ce que tu veux avec internet. Ouais, une stèle! Alors ça, ça fait plaisir. La sauvegarde et puis tous les PVPM restaurés. Bon, écran bleu. Toi-même, tu sais. Bien joué. T'as un petit machin là. Non, bah... Pff, c'est trop bizarre. Je crois qu'on va avoir un boss. Peut-être, peut-être, peut-être. Cul-de-sac, pas cul-de-sac. Mais ils font des cul-de-sac où il n'y a rien. C'est nul. Ce sont des vrais cul-de-sac pour le coup. Oh oh. Oh, j'ai peur. Regarde, monsieur Lumi, une source. Mais elle est complètement asséchée. Nom d'une fée, de nom d'une fée. C'est pas beau à voir, hein, mais au moins on sait qu'elle a le problème. Ah bon? Eh bien, c'est la source de vie. C'est grâce à ça qu'il y a Bombance dans la forêt de Bombance. La raison pour laquelle les fées ont filé et l'arbre dans lequel se trouvait cette œuf de familier a flétri, c'est que cette source est tarie. Dah. Ouais. Ça, c'est pour un coup. Ça, pour un coup bas, qui serait capable de faire une chose pareille? C'est méprisable. Voilà que je. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur l'ami? Lumi. Ma loupiote qui gigote me dit que le coup va faire son apparition. Vraiment? Fais-moi confiance, mon pote. C'est toujours comme ça que ça se passe. Arrête Zuko, quand tu dis des trucs comme ça, ça fait vieux. Hein, qu'on a tous le même âge. Oh oh. Une grosse bait. Oh. Il y a une grosse épée. Gladiator. Gardien du bobolé. Il a une grosse épée.
Coup de bélier, coup de bélier. Ça coûte cher, coup de bélier. Et je peux pas faire venir l'esquive. Défense. Oh, on a esquive, ça c'est bien. Ah. Attends, j'ai vu des bibis. La mer attique. Pile gars à défendre. Oui, c'est bien, mais sauf que... Ah ouh. Je vais plus pouvoir l'utiliser longtemps. Oh non, non, non. Esquive, esquive. J'ai eu le temps de le mettre. J'ai mis bombe à eau, mais... Quoi? La bombe à eau, elle a fait 26. Eh, c'est fragile au magie, ça, truc-là. Ah ouais. Et si je fais sort... morsure glaciale. Ah non, 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 non. Défense. J'ai défendu, là. Wow. Je pensais pas. Je pensais pas si... Ah, Lumir, envoie les bibis. Génial. Ouais, clairement, c'est pas lui qu'il me faut, là. Si, lui, il fait frénésie. Non, 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 non. Esquive. Oméo, il esquive. Il est petit, ton kiki. Arrête, me fais pas rire. Aïe, je suis en train de prendre cher. Wouah. Je suis dans la bouise. Défense. C'est bon. Ah, mais lui, il a pas une super défense, hein, malgré tout. Hein. Si je fais sort, boule de feu, ça fait quoi? 17. Ah, Mister Bombao est plus puissant. Je vais rechercher Mister Bombao. Mister Bombao, Styx. Mister Bombao, Styx. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Ah, ça c'est la bouise. Est-ce qu'il faut que je défende? Faut que je défende. Non. Non. J'ai pas réussi à défendre. Je suis dégoûtée. Coup de... Non, coup de bélier, tiens. Ah, je suis verte. Qu'est-ce qui se passe? Il est genre très énervé? Qu'est-ce qui se passe? Oh oh. C'est la mouise. Tant qu'il est en mode énervé, comme ça je peux rien faire. Oh oh, ma vie. Provision, genre un truc bien. Sandwich. Bouffe ton sandwich! S'il te plaît. Comment je vais faire s'il est énervé comme ça? Il va rester énervé comme ça? Comment je vais faire? Oh bon, ça m'impose. Merci Zuko. Ma provision, hein. Non. Raté. Café glacé. Voilà. Mister Bombao. Mister Bombao. 22, c'est bien. Somnibule, est-ce qu'il va s'endormir? Non, Somnibule, je voulais faire pas esquive. Il s'endort pas, super. Aucun effet, super. Ok, je suis dans la bouise, Il va refaire ça, des soins, hein, parce que... Hein. Ok, je reprends lui. Il va attaquer normal, hein. Parce que lui, il a une bonne défense. Est-ce que j'ai utilisé la défense pour rien? Ah, c'est vrai! Pourquoi Zuko? Il est gentil, Zuko! Pourquoi il doit garder son énergie? Non! Boulette sort, premier sort. Il va peut-être se calmer, hein. En vrai. Ce que j'espère, fortement. En gros, lui, il faut pas qu'il se fasse toucher, parce que dès qu'il se fait toucher, il se fait pourrir. C'est bon, il est calmé? Bon, j'ai bougé. J'ai comme un mauvais pressentiment, mon petit Oli. Je crois qu'il va foncer dans le tas. Remonte ta garde, petit gars, et vite. Esquive. Il va faire carnage. Non. Mon esquive, elle a sauté. Oh, je sais, attends une seconde, mon petit Oli. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Prends ça, espèce de brute. Oh, dans la tête.
Tip top, saisis l'occasion, mon gars. Ouais, en vrai, je vais saisir l'occasion de me guérir. Je sais plus utiliser les chances. Non, mais non, en fait, je suis en train de mourir, là. Comment on utilise les chances? Il aurait fallu que je fasse boule de feu, c'est ça? Je sais plus utiliser les chances. Boule de feu ou morsure sur glacial? Je sais plus. Je sais plus. Ah, la panique, je sais plus utiliser les chances. Ryu, comment on utilise les chances? Elle a pas que le nez bouché, les yeux sont collés. Vous êtes pas sympa. Je suis pas la meilleure dans ce jeu. Ma vie, elle est moisie. Ma vie, elle est moisie. Je suis en panique. Il est encore énervé, là. Défense. Voilà, ça, c'est bon. Lui, concentration. Frénésie. Allez, frénésie dans sa tête. Ah, il fait des bons coups, lui. Il est fort. Allez, Kiki. Ouais, le Kiki. Kamehameha. Ah, j'ai loupé ma chance, je suis deg. C'est le Kiki qui l'a fini. Promis, je reprends mon médicament. On a gagné essence de la clairière, c'est bon. Et on n'est pas mort. C'était limite, on est à 2 points de vie à un moment donné. Ouh, Oméo apprend le talent, l'arme curative. C'est cool ça. Vous avez reçu une page décrivant le gladiator. C'est bon, le gardien il s'est calmé. On a eu chaud, cette horrible créature est partie. Ce n'était pas n'importe quelle créature, Oli, c'était le gardien de cette forêt-ci. Gardien, tu veux dire comme le gardien de la forêt? Exactement, c'est ce que je disais, la force vitale peut faire naître des choses un peu partout. Et dans des endroits comme cette forêt, le désir des habitants de protéger leur habitat donne naissance à d'énormes créatures qui en deviennent les gardiens. De grosses bestioles comme celles que t'as combattues à Bois Obscur et celles que nous venons de croiser. Je ne sais pas si t'as vu, mais il avait un regard bizarre. Tu crois que... Shadar? Ça ne m'étonnerait pas qu'il trempe dans cette triste affaire. Assécher une source, c'est bien le genre de coup fourré dont il serait capable. Sa père Hippopète. Bon, le gardien a retrouvé son état normal, mais qu'allons-nous faire à propos de la source de vie? J'ai réfléchi à ça, monsieur Lumi. On a soigné l'arbre, on se trouvait l'œuf, non? On pourrait peut-être utiliser le même sort pour restaurer la source de la vie. Si ce n'est pas de la jugeote, mon petit Oli, il faut croire qu'une partie de mon intelligence s'est détend sur toi. Essaye, mon garçon. Entendu, monsieur Lumi, j'espère vraiment que ça va marcher. Mais oui. Cure de jouvence. En plus, il est gratuit. Ouais, joli. Jolie fleur. Ah, c'est pour ça que c'était plus vert, parce que c'était en train de mourir. C'était pas l'automne, c'est juste que c'était en train de crever. Alors, c'est à ça que ressemble la vraie source de la vie, c'est tellement joli. Tu l'as dit, Oli. Et maintenant que le gardien et la source ont retrouvé leur état normal, les fées ne vont pas tarder à revenir. Tip top. Génial, j'espère vraiment qu'on croisera des fées la prochaine fois qu'on viendra. Moi aussi, mon petit Oli, moi aussi. Bon, allez, à Almame. Oui, chef. Par sa pureté cristalline, le cœur de la source de vie a brisé un sceau de l'almanach du magicien. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux. On les a pas lus, les contes, encore. Yeah! Bon, bah, on va pouvoir sortir. Hein. On a tout fait. Trop fier! Y'a rien là-bas? Toujours se méfier d'un cul-de-sac. Non. Ah, mais je suis dégoûtée de pas avoir réussi à faire la grosse attaque. Je sais pas ce qu'il lui fallait. Peut-être une bombe à eau. Pourquoi il est toujours orange le bois bolé? Ah, elle m'a me.
Je pense que notre aventure de ce soir elle va s'arrêter à elle-même. Attention, mon petit Oli, il doit y avoir des... Ah, j'arrive pas à parler ce soir. Attention, mon petit Oli, il doit y avoir des monstres sacrément féroces dans le coin. N'essaie pas de jouer au dur en allant tous les combattre. Il faut qu'on rejoigne Almame le plus vite possible. Ok. Et la source qui brille là-haut, on en parle? Quand est-ce qu'on a sauvegardé? Je vais sauvegarder. On sait jamais. Voilà. Parce que j'étais pas sûre d'avoir sauvegardé après le combat. Ce serait la grosse boulette, ça, franchement. Ah bah, le live, il durerait un poil plus longtemps si on s'amusait à refaire les boss. Vous avez une fausse forêt. Oui, si il dit. Familier. Est-ce que j'ai de la bouffe? Précision. Est-ce que ça, c'est utile à tout le monde, la précision? On va voir. Comme ça, Homéo, il aura le droit un petit peu à... Ça peut rater ses sorts de magie, Bon, au pire, dans le doute. Chat allergique et frappe fort. Je peux leur faire l'abératique. Même si ça one-shot plus comme à une époque. Ah, presque le frappeur. Frappeur, il a failli coup de bélier sur l'autre. Oh, ouais, joli. Il faut que j'apprenne à faire des contre-attaques aussi dans ce jeu-là. Je dis aussi parce que dans Geralt, l'autre jour, dans Witcher, enfin, parce que dans Geralt, c'est un peu glauque. Kiki est passé niveau 12. Dans Witcher, j'ai contre-attaqué 10 fois de suite. J'ai bien eu le trophée, c'est bon, en fait, Ryu. Je suis trop fière. Ah, ces musiques, elles sont trop belles. Ah, il est ternu, je suis allergique. Oh, il est... Il est comme moi. Il est malade. C'est drôle, non, de croiser des chats allergiques. Ah, il a boosté ses attaques. Ouf. La capitaine, il fait la tête. Il se fait plus remarquer. Mais non, fais pas la tête, c'est capitaine. Homéo, niveau 8. À niveau 9. Ouais, comme tu dis, hein, contre un mec au bouclier... C'est parfait. Surtout tout seul. Surtout là où c'était plus facile le fait qu'il soit seul. On l'a isolé de ses copains. Ah, peut-être. Notre petit chaton. Notre plus jeune chaton. Notre chaton mineur. Il fait mal, lui, pousse un gland, là. Il me fait une attaque, en plus. Ah... l'utilisation des points sur la faute, enfin sur le portable, je sais pas comment ça, je sais pas si j'ai déjà fait mon perso. Est-ce que c'est un système que vous voudrez garder, le système de points, ou pas? Ouais, toujours j'ai l'impression. Kranos, est-ce qu'il est fort, Kranos? Est-ce qu'il va me pourrir ma petite machine là? Ah, j'ai oublié de lui mettre l'âme tellurique. Eh oui! Allez, il a volé! Kranos c'est dangereux! Kranos c'est dangereux! Pourquoi je l'ai envoyé à l'attaque lui? Mais pourquoi j'ai fait ça? Il va me tuer, Kranos. Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Ah voilà, là c'est de la défense. Enfin, c'est fou que les familiers aient une meilleure défense en vrai. J'ai mis une défense pour coup de machin. Tiens! Et j'ai cru qu'il allait nous achever lui. Ah, oh, tu lis pas l'anglish, Captain? Mais j'ai reçu un mail.
Juste reçu un mail, ils m'ont dit, bah, écoutez, on est en phase de test, on vous a choisi pour que vous testiez le système de points, et allez-y, amusez-vous. Ça devait être que jusqu'à mi-octobre, je crois. Mais j'ai pas reçu d'autres messages. Ah, ça commence à être dangereux, ça commence à être dangereux. J'ai grave peur. C'est du feu, Helios. J'imagine qu'avec de l'eau comme l'eau de forêt, ça serait intéressant. Mais il faut pouvoir la placer, la bombe à eau. Ah, en un coup. Ah non, on a fait un contre. On a fait un contre. Il y en a pas sur pas mal de lives. Alors peut-être que tous les affiliés étaient choisis, hein, tu sais, ça se peut, ça c'est possible. Pourquoi hein. J'ai fait ça moi. C'est pas grave. Non mais clairement il faut bomba haut là. Il faut que j'esquive surtout. C'est bon, il est attrapé à côté. Si je fais bomba haut là, il va pas aimer. Yes, 48, bim. Eh mais t'y es presque toi Ryu. Franchement, il te manque plus grand chose. J'ai remis un peu de vie. Ah. Elle est où la ville? Il y a encore tout ça à traverser? Ok. Turbandi. Oh, c'est mignon comme nom ça, Turbandi. Si lui il fait ça, est-ce qu'il fait cette concentration, est-ce qu'il va être capable de résister au coup? Pyroboule, non, ça craint. Ah, il s'est fait cramer. C'est quoi ça le gros rond Ah, ça. Attends. Faut que j'aille choper ça. Chargé au max, cri primal. Ah, par contre, il prend un coup de feu là juste avant. Eh, mais les familles, ça peut faire des choses. Hein. Pourquoi tu penses que t'as quoi à faire quoi? Elle va cracher des mini Aladdin. C'est un peu ça. Bon, on aura vu beaucoup de bastons quand même. Je suis pas en... ouais, ça va encore. J'allais dire, je suis pas en super état et je vois pas la ville. Je la vois pas encore. Non, m'embête pas. Non, il m'a eu. Oh. À 24 heures, t'es ouf. À 24 heures, t'es ouf. Ah mais quand ils ont l'avantage, c'est chaud. Je voulais m'enfuir. Ah, le 24 heures, bon courage. Hein. Ah, je vais mourir bêtement. Je vais mourir bêtement, fais suer. Faut qu'il attaque le Helio là. Tant qu'il est faible. Ah, Lumi qui m'envoie des bibis. J'aime bien, c'est trop choupi quand il fait ça. Tu peux y arriver, juste du café. Et tu sais que déjà 12h c'était dur. Mais après, il y en a qui arrivent, hein, mais. Je t'imagine 24h. Fouah. Moi je dis respect hein, si tu fais les 24h. 24 heures, le tour de l'horloge, quoi. Faut... J'ai sauvegardé au cas où. Écran bleu, désolé. Nashi, là, c'est plus que du café hein, qu'il faut. Non ! Ah, faut que je me retourne s'il arrive à nous rejoindre. Ah, faut que je me retourne pour le taper. Est-ce que tu penses que 24 heures ta co va pas vouloir? Somniflore, on va essayer de le taper en premier. Mais. Mais c'est horrible ce qu'ils nous font là. Il me faut vraiment mal. Ah, Kiki a pris feu! Ça va être chaud. Il est endormi. La vie. Et ça devient vraiment dur là. Je mets de la vie. Et je prends des MP.
On va remettre le petit défenseur là. Car avec la coach, je risque d'avoir pas grand monde sur mon live. Les mini à la danse sont chauds. Ouais, ils me font mal hein. Vivement qu'on arrive en ville là parce que. Là voilà, je vois la ville. Et je vois un gros cactus sur ma route. Je crois que le gros cactus il veut se la mettre. Ah oui, il faudrait que tu puisses faire le vocal pendant 24 heures. Oh, je vais jamais survivre à ce. À ce combat. Pain blanc. Non mais. Oh là 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 là. Défense, défense, défense. J'ai le temps de défendre ou pas? Eh, faut péter la mercinette là. Oh là 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 là. Non mais c'est quoi cette... Ils vont me tuer? Il va me tuer. Ah, je comprends mieux quand il disait que les monstres étaient trop forts pour nous. Ils sont trop forts pour nous. Mais vraiment, genre... Ah bah c'est chaud là. C'est vraiment chaud là. Je sais pas comment je vais faire. Il va la virer chez chez belle maman. Comment je vais passer ça moi? Genre mais pas de dégâts. Ah mais lui il se prend des coups, il meurt direct. Oméo esquive mais bon. Non. Bon. Vous avez perdu. Non, le but c'est d'atteindre... J'ai bien fait d'enregistrer. Le but c'est... Ces machines qui ronflent. Bon, il faut qu'on atteigne la ville. Y a pas de choix. Elle m'ameut. Je suis où là? Allez, on y croit. Non, Helios, faut éviter. On va le contourner, le gros cactus. Ils font trop mal, les cactus. Ah si, s'il était tout seul, ça va. Oh, genre, hein. L'empêcher de rentrer. J'étais pas si loin, pourtant. La ville est là. C'est bon, on est arrivé sain et sauf. Elle m'aime. Ah, t'attaques Ninokini 2. Excellent choix. La cour de la Tsultorane. やっと着いたな、ババナシア王国へ。うん。ゴロネールとだいぶ違うね。そらそうやがな。ここは砂漠のど真ん中にある国やからな。 でもなんかいい匂いがする。ババナやな。この国にはババナっていう名産のフルーツがある。それは食べると絶品やで。せや、喉も乾いたし、ババナでも食べに行くか。あ、ババナスキビット。それ、そんなに美味しいの？それはうまいで、この国はババナの交易で大きくなった蔵やからな。じゃあ、行く行く。で、ババナ。 Quelqu'un va se faire midier ville par un perso, moi non. Avant de chasser la babane, on devrait peut-être essayer de trouver ce rachat, non? C'est quand même pour ça qu'on est venu. Tu as raison, demandons autour de nous si quelqu'un me connaît. La babane. Excusez-moi monsieur, c'est vous, je peux trouver le grand sage Rachad. Le grand sage Rachad? Il y a bien longtemps qu'on ne l'appelle plus par ce nom là. De nos jours, tu ferais mieux de demander Rachad, le vendeur de babane. Il vend des babanes? Vous voulez dire que c'est plus un sage? Il vend des babanes. Mais c'est justement pour lui de demander de m'apprendre la magie que nous sommes venus ici. Ça c'est embêtant, mais on cherchait un baban à Split de toute manière, alors autant passer et voir ce qu'il en est, non? Ah, tu as déjà fait sur PSP. Sans doute, très bien. Trouvons Rachad, le vendeur de babanes. Ça fait rire. Ah, il y a plein de petits points dans la ville. Ah, on va visiter un peu. Ça, c'est le comptoir de quête, je crois.
Y'a pas là. Ah, les mecs ils se ressemblent tous. Est-ce qu'il y a pas un coffre dans sa boutique? Bonjour! Y'a pas de chasse, toucher prix, y'a pas de prime à toucher. Ok. Ah, Shadows of Colossus se perd 4. Ah ouais, ce serait des beaux lives. On prend. Ok. J'ai pas du tout détaillé ce qu'il y avait. Ah, depuis le temps qu'on en parle, Shadows of Colossus. Moi, je sais que j'ai d'autres jeux à racheter sur PS4 avant de... Et tu sais que la PS4, elle va être rétro-compatible, normalement. On prend pas trop de doublons PS3, PS4, hein. Shadows of Colossus, il est génial. Ah, c'est la même vieille chouette ici aussi. J'ai obtenu un sandwich. Là, c'est quoi, ça, faux coffre? Ouais, la PS5 l'année prochaine, je crois. Donc c'est pour ça, les doublons, c'est dommage. Ouh, qui est là? Comment je puis vous aider? Nous offrons un grand éventail de produits de célèbres Baman d'Almaeux aux articles si exotiques qui vous feront tourner la tête. Un PS5 avec un cœur. PS5, bave. Ah, il y a quand même des choses qui ont été rajoutées. D'accord. Bonjour, monsieur. Ah, oh, ça ne sert à rien, j'ai plus envie de rien. Tout va bien? Vous voyez-vous, nous sommes des marchands itinérants. Marie a perdu toute envie de vendre nos articles. Nous sommes donné tant de mal pour quitter Carabas. Bon, en gros, il manque d'enthousiasme. Voilà, il faut choper l'enthousiasme. Oui, on va accepter d'aller chercher de l'enthousiasme. Mais j'ai vu un point vert sur la carte, donc ça se trouve, lui, elle est enthousiaste. Bonjour, bienvenue, voilà, blablabla, blablabla. L'autre, il se croyait à la boutique. Vlad l'enthousiasme pour la personne d'à côté. Quaker. Voilà, de l'enthousiasme. Chose qu'il me faudra pour finir mes 4 jours de mission. J'arrête pas de le dire. Bon, lui, comme ça, il va en avoir. Tu as de l'enthousiasme en réserve? Oui, Pascoeur. Hop là, donner de l'enthousiasme. J'aime bien la jolie animation comme ça. Du mérite! Du mérite! Où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon amour, tu arrives près de tes esprits, je suis seul soulagé. Pardonne-moi, ma chérie. Blablabla. Génial et guéri. 3 fruits de vue et 100 florins. Bon, pas dégueu. Et 2 tampons. Voilà, nouvelle carte du mérite. Mais je pense qu'on fera l'histoire à la prochaine fois. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est une véritable tragédie. Comment mon pauvre mari parvient-il à survivre? Ah, il est dans le bois bolé, lui. Alors, son mari est dans le bois bolé et... On doit apporter le panier repas au bois bolé. Ok. D'accord, panier repas savoureux à amener au bois bolé. D'accord. Elle, c'est quoi son histoire? C'est mauvais pour les affaires, qu'est-ce qu'il ne voit pas, madame? Le désert fourmille de sa tatanée Kranos. Ils sont prêts de marchands qui livrent nos produits frais, je crois que... Il faut tuer du Kranos, ok. Kranos casse-pied. Ah! Encore plus intéressant. Je vais leur ronger leur tibia, il dit. 10 Kranos. D'accord, il faut tuer 10 Kranos. Ah, il fallait que je dorme à l'auberge. On va aller dormir à l'auberge. Pour finir le live. Donc lui, ok, rien d'intéressant à part qu'il cause. Ici, c'est le palais, on va peut-être pas y aller. Halte là! Oui, bah, il est normal.
Et par là, il y a juste une jarre avec un truc. Non, on va aller dormir à l'auberge. Un sundae acidulé. Ah, parce que j'ai plus de vie, plus de MP là. J'ai plus rien. Il est temps de se reposer. Ah, un coffre. Des florins. On est riche. Peut-être que je m'achète de l'équipement. Je me souviens encore bien du jeu. Ça fait combien de temps que tu l'as fait? Il est sorti il y a 6 ans, c'est ça, je crois. Ça passe tellement vite. Je vais à la boutique d'armement pour voir s'il y a des coffres. 4 ans, d'accord. Ce qui est bien, et c'est qu'ils ont choisi, ils cherchent à garder les mêmes têtes pour chaque boutique. Bon, on n'est pas perdu, on sait qui est qui. Pas bête. C'est un côté rassurant. Direction l'auberge. Oh, c'est joli. Les oiseaux qui s'envolent. J'ai l'impression que les stèles, ça va être des déplacements quand même. Hein. Les plaques. De la téléportation, une connerie comme ça. On peut fouiller ou pas? Apparemment pas. Ah, il y a un truc là. Donc oui, on peut fouiller. Ah, je peux crocheter le coffre en plus. Alors. Crochetage. 2016. Ok. Un café serré. Dodo. Bienvenue au palais des papouilles. Oh, aussi mignon ce nom, palais des papouilles. Zuko, j'ai pour ton level up. Restez 20 florins. Oh, ça a augmenté de 10. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des souvenirs, on obtient des pages et tout. Vous avez reçu une nouvelle page des régions du monde. Zuko Machine. Bien joué. Salut Vivien, ça va et toi? Voulez-vous sauvegarder? Oui, écran bleu de la sauvegarde. Bah t'as pas de bol, on allait arrêter là. J'espère que vous avez passé une autre miaou verrieuse. Non, miaou veilleuse. Miaou veilleuse. Nuit au poltron miné. Oui. Et voilà. Ah, un coffre. Je l'avais pas vu celui-là. Comme ça, ça vaut la peine d'aller à la boutique. Non, ça va tranquille. On est. Est-ce qu'on est mort? Oui, on est mort ce soir. Malheureusement, on est mort un peu, mais bon, tant pis. Hein. Je vais me mettre devant l'objectif pour la prochaine fois. Quoique. Bon, tant pis, c'est fait. En général, j'ai dit maintenant, quand on démarre un live. Comment ça s'appelle? Un live Ni No Kuni, on fait quelques quêtes avant de. Le vendeur de babane, c'est lui. Quelques quêtes avant de faire l'histoire, mais bon. Nous, on a Vivien qui débarque, c'est ça. Bah parce que là, plus rien à faire, hein, c'est fini. Hein. si, il y a quelqu'un qui a appris quelque chose que j'ai pas remplacé. Ses talents. Là, voilà, c'est ça. L'arme curative. Bah, somnibule, c'est bien l'arme curative. C'est quoi, botte secrète? Aube nouvelle. Oh. En gros, Oméo, c'est un soigneur, quoi. Ouais, ça va, tranquille. Il est marrant, Oméo. Ah, on a Mimi, Kiki et Oméo. On va leur trouver des noms sympas, hein. Vous allez voir. Dans la ménagerie. Bah sur ce, je vous laisse. D'ailleurs, j'aurais pas enregistré ce que je viens de faire là. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou pas? Je sais même plus. Bon, je crois pas avoir fait quelque chose de spécial. Ah si, j'ai changé l'arme curative. Bah je vais sauvegarder. Sinon, je vais oublier de refaire. Je pense avoir le faire. Ah, c'est pas grave, Vivien, que tu peux pas connaître tous les jeux, hein, tu sais. Un cocktail grenadine. Ouais, c'est un bon jeu, je suis d'accord. Bon, allez, moi, je vous fais des gros bisous. Oh, pardon. Ça va être l'heure de rejoindre le lit. Donc, ma grosse Nadine.
Eh bah si, je suis désolée. Grenadine, c'est pour les gosses. Il faut boire de l'eau. Chavolution. Qu'est-ce qui va sortir si je fais quote? Eh, vous aurez pas eu de level boost ce soir. Il était pas là, Did. Dans ma bench. Allez, bonne nuit les petits chats. Bonne nuit les Cheyenne. La chamille. Chavolution. Gros bisous et puis pour une fois qu'on respecte le timing. Gros bisous et puis à mardi alors pour le live sauvage. Poutou poutou, ciao.